Donc on va partir sur une run avec le Blue Baby. Le Blue Baby, vous le voyez à l'écran. Il a donc 3 cœurs bleus et demi. Particularité du perso, il ne peut jamais avoir de cœur rouge. Ce qui fait que si on veut acheter des Devil Lille par exemple, eh bien ça coûte à chaque fois 3 cœurs bleus. Ce qui est un peu cher. On voit aussi qu'il commence avec une vitesse légèrement supérieure à la moyenne, à un 10 et un dégât un peu supérieur à la moyenne également, avec 3,67. Alors c'est très léger, hein, évidemment. C'est à peu près tout. Donc ils seront en diversity, donc 3 objets passifs, un objectif, un trinket passif, des starters qui ne seront pas là, comme le couteau, Tech-X et Epic Fetus, mais des starters qui seront là, et c'est génial. Avec Incubus, Crown of Light et autres sacrées cartes. C'est génial. C'est super. Ouais. On verra bien en tout cas ce que Diversity décide de leur donner. C'est toujours au pif. Allez, ça va partir dans pas longtemps. On va voir s'ils ont de la chance. C'est pas sûr. Oh, c'est random. Oui, parce que je vois à l'avance, c'est triche, je triche. Oh bah bravo. Allez, j'ai quoi? J'ai une seconde d'écart entre les deux. Ça va. J'en ai quatre. Ah, j'en ai qu'une. Je vais refresh. Et donc, on voit qu'il démarre avec Bozo. Il commence avec le Rune Bag. Il commence également avec... Mais alors, comment ça s'appelle, ça? Les bombes empoisonnées. Obscurs, oui. Ah, merci. Et commence avec le... Quoi, ça, c'est la jarre de cœur, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça va être la jarre qui ramasse des cœurs. Pas très utile, mais bon, sait-on jamais, hein, cet objet-là. Vous trouvez le trinket remote... Enfin, vous trouvez la broken remote. Vous êtes le roi du pétrole avec cet item. Hein. Donc, du coup, ça et attention, par contre, hein, attention aux trinkets qu'ils ont. Le trinket qui peut leur éclater la gueule. Merci le pied de maman. Oui. J'avais pas vu. Ouais. Le pied de maman pourrait arriver pas mal. Voilà. Ouais. Le pied de maman, attention. Alors qu'on a un Texan du coup d'un côté, hein, cricket de l'autre. Ouais. Et il a trouvé. Un blue cap en plus, donc du tears up, du damage up, c'est plutôt bien. Oh, Mr. Dolly. Très bien ça. Avec 3 coeurs. Ah, t'es en avance sûrement en fait chez Yoshi. Ah bah d'accord. Bah j'ai refresh, c'est pour ça. Moi je crois que j'avais eu un buffer et que j'ai pas refresh. Ah. Ah voilà. J'ai refresh. J'ai 3 secondes d'écart. Oui. En tout cas, du tears up, il faudra du damage up à Yoshi, honnêtement, avec un tech 5, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si tears up, c'est cool aussi. Hein. Il va aller voir son item room. Oh, un Dr. Fetus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre. Il va tenter, ouais. Il va prendre le Dr. Fetus. Ah, c'est des larmes, c'est des bombes empoisonnées, du coup. Empoisonnées. Ah, le pied de maman dans la gueule. Merci beaucoup, le trinket. Un petit pentagramme par contre, ça, Shigan. Son safe. Ah, Shigan qui décide de reroll Atame et de pas prendre le Demon Baby, bah, il va se diriger vers potentiellement des Angel Room, peut-être. Sûrement, ouais. Ah, sûrement, ça dépend du jeu après. Hein. Oui, si le jeu n'est pas d'accord, il verra pas une Angel Room. Hein. Avec Blue Baby, oui, parce que perdre ses cœurs, tout ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ça il a. Cher, un bon DPS déjà quand même. Alors que War Babylon pris par Yoshi, c'est pas mal, même s'il a pas énormément de dégâts quand même. Goat ouf pour un peu de vitesse. Il a pris le croc penny. Il a pris quoi? Shigan. Ah, le Crooked Pin. Oui, le Crooked. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais après... est-ce qu'il va avoir de la chance? Est-ce qu'il va l'utiliser? Ça, c'est autre chose. Hein. Ah, ça sera pas pire que la jarre à la con. Non, ah, il a une Angel Room direct. Allez, hop, bonjour les Angel Room. Hein.
Mais il a pas de charge de D6. Ah, il lui manque une charge. Il lui manquait une charge. C'est dommage. Et il avance. Il en est où d'ailleurs? Cave 2, j'imagine. Oui. Complètement zappé le tracker. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Oh, Titis. Ah bah oui. Non, mardi. Mais Titis, on est mardi. Et le mardi, c'est jour de pause chez Titis. Alors. Ben, un boss qu'on aime pas trop voir. Chez Yoshi. À moins d'avoir appris un Dark Bum, mais bon. Ouais, enfin bon, même. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans ce DLD là? Pas grand chose d'intéressant. Je gagne qu'à son Angel Room encore une fois là. Et là, il va avoir 4 objets à reroll. Ouais, là, ça peut être intéressant. Ouh, le pied de maman. Eh bien, il y a quoi? Il y a. Ah, il utilise le Crook Penny. Il se met bien au niveau des points de vie. Ça va. Prends de saut deux fois, pourquoi pas. Hein. Bah oui. Je vais pas payer de marge. Ah, c'était une TP en Angel Room qu'il a eu du coup. Bah, il a le vol du coup, il a des dégâts, il a du. Des larmes qui vont s'écarter, il est full vie. Tout va bien. Pendant que. Yoshi a récupéré un petit vaisselle aussi. Donc, il vole. Mm. Et il a un bouclier de temps en temps. Ouais, ce qui peut être bien avec ses bombes. Ouais. La carte Joker, d'accord, Léo. Ouais, ça va être une carte Joker, je pense bien. Attention aux touches quand même. Ah, le cacard, quand c'est quand on se fait toucher. Merci, Bozo. Bozo, c'est génial, ou pas. Par contre, ce pied là qui est tombé. Ah, mais le pied qui arrive de nulle part, hein, vaut mieux pas se mettre à un cœur, hein, parce que là, t'es pas serein. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va récupérer dans son. Alors, évidemment, on sait ce qu'il cherche. Hein. Moi, j'aurais peut-être utilisé quand même le deck of cards, vite fait. On sait jamais. On sait ce qu'il espère, ouais, évidemment. Bah, il l'a pas eu. Raté. En même temps, ça fait beaucoup de possibilités pour un seul objet. Hein. C'est vrai. En tout cas, Shigan est en Depths One, je crois. Non, Depths 2, il vient d'utiliser sa rune Ewaz. Ah, Depths 2. Oh, une belle avance. Avec un Yoshi qui pourrait bomber un peu plus ses portes, hein. Peut-être. Même s'il le fait, hein, mais. Ah, il est long son étage. Mon dieu. Ouais, bah là. Il est assez dégueulasse cet étage. Hein. Attention au pied de maman, évidemment. Le pied de maman, toujours la menace qui flotte au-dessus de la tête. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire? Éviter le. Le Devil Deal alors avec Krampus. Ah, Krampus. Ah, Krampus qui tourne pas, heureusement. Si. Ah, voilà, il tourne. Et il retourne, ça après. Voilà, il pouvait rien faire en plus. Bah, moi j'aurais pris la Krampusette quand même à sa place. À la place de la jarre nulle, il fallait prendre la Krampusette. Ouais. Ça, c'est dommage. En Shigan qui a un grid dans son shop. Ah, il a récupéré la dépression aussi. Hein. Oh là là. Ouais, Steam Cell. Le Christophe. Le Christophe à la con. Non merci. Hein. on est bien, mais on n'est pas fou. Alors dans la secret de Shigan, il y a bah, une batterie. Ah, l'étage il est long aussi chez Shigan. Hein. Depths 2 là. Et puis il a pas trop le choix en plus. D'ailleurs. Il a pas trop le choix, il y a qu'un chemin quasiment. Les lignes droites comme ça. Ouais. Et donc il est contre sa mom pendant que Yoshi vient de tuer Guiche et on s'emmerde. Oh. Alors le Dead Cat, non. Non. Prends pas le Dead Cat en premier. Mais non! Très mal joué.
C'est très mal joué ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il a utilisé son... Je ne sais pas. Ah, il fait des grosses erreurs là. Là, il fait des grosses erreurs. Ah, pas assez réfléchi là. C'est dommage, il aurait pu aller bien plus vite sur... Alors, au final, il aurait fini avec à peu près autant de cœur. Mm. Mais il aurait perdu moins de temps à faire autrement. Et surtout, il devrait avoir deux cœurs avec sa Bible satanique. Hein. C'est ça. Je vois pas pourquoi il a utilisé un, il retourne. Ça n'avait aucun intérêt de l'utiliser à ce moment-là. C'est dommage. Alors, Shian pense là, parce qu'il a récupéré rien. J'ai vu faire une TP, mais je sais pas pourquoi en fait. Je vois pas d'objet. Pour boss rush. Ouais, mais je vois pas d'objet en plus. Ah bah non, oui, il a pas. Ah bah non. J'ai pas vu. Mm-hmm. J'avoue, là, j'ai pas vu. Bon, en tout cas, Shigan est en bombe 1 pendant que... Si, il a récupéré la TP... Ah oui, pardon, il a le téléporte 2 points... Il a le téléporte bleu que j'avais raté. Ok, dans... ouais, je regardais son... Ouais, c'est marrant parce qu'il s'est pas marqué dans son tracker à côté, à droite. Bah ouais. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Bon, bah, oui, du coup, la TP, oui, c'est génial, ouais. Enfin, c'est génial, ça dépendra un peu, mais oui, là, donc, la TP était très bonne en bombe 1, déjà. Il va avoir Conquest. Ça va pas si vite, hein. Le beat, il est pas ouf, hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il reroll le cheval pour la Bible. Oh, on s'emmerde, hein. Il est Séraphim, super. Il reroll pour récupérer Mom Spurs. On s'emmerde jusqu'au bout. Alors que Daddy Longlegs est récupéré par... Yoshi. Il bombe son chat. Il a le pied de papa, une maman, c'est beau. Ah, c'est bien. Mais le pied de papa n'a aucune chance de lui tomber sur la gueule. Non. Voilà. Ce qui est déjà vachement mieux. Il faut qu'il fasse gaffe parce qu'avec le peu de vie qu'il a. Ouais, c'est ça, ouais. Il va arriver sur Mom avec un docteur fœtus, ouais. Attention, ça peut être compliqué, c'est une Mom normale, heureusement. Tandis que Shigan est chez Eclipse. Ouais. Ça va prendre un peu de temps. Alors on voit qu'il a The Soul et que du coup, normalement, c'est plutôt safe comme combat. Ouais, c'est garanti, ouais. La TP a été comment, d'ailleurs? Dans son... Je suis en train d'essayer de voir. Pas trop mal, a priori. Plutôt sympa, ouais. On a eu deux, je crois. Ah, bah non. Sia. Il y avait la blank card dans son boss rush. Mm-hmm. Il avait la EWAS, mais bon. Ouais, mais bon, ça sert à rien, ils vont pas... Voilà, c'est ça. C'est dommage. Ils vont pas The Lamb. Bah, en tout cas, Shigan qui est dans sa cathédrale pendant que Yoshi est dans son Womb 1. Womb 2. Womb 2? Ah oui, il a utilisé Oise, oui. Pardon. Okay, bon. Mais Shigan est déjà sur Isaac parce qu'il a eu une bonne TP. En même temps, je regarde la cathédrale, à mon avis. Même s'il avait pas la TP, c'était pas très long. Hein. Non, alors évidemment, il fallait piffer le bon chemin, mais a priori, c'était une cathédrale en 4 salles. Hein. Et oui. Enfin, moi, les TP là, hein, je les attends toujours personnellement. Ouais, on voit bien que sur Isaac, hein, le combat est un peu long, hein, du coup. Ah, Yoshi qui va arriver sur Eclipse. Il est pas si loin, hein. Non. Mais bon, la TP c'est un tel avantage normalement. Et puis il est pas à l'abri de mourir, surtout. Hein. Ouais. Ouf. Avec le MT Vessel proc, vraiment. Voilà, là le MT Vessel à proc, normalement, c'est cool. On voit le Isaac, il est long hein, chez Shigan. Il est long, ouais. Il rush un peu, tout ça. Ah, il n'a pas pris le cœur bleu, c'est pas grave. Ah, il y a Abel. Abel. Ah, il va le reroll, de toute façon. Je pense. Belle utilisation de Pinking Shears dans le vide.
S'il avait échangé ses items avant de le faire, je pense que ça aurait été un peu plus valable. Ça, clairement, c'est un peu le ratage. Mais j'ai l'impression... Ah, il y a encore une épée excellente, c'est pas croyable. Du bol. Oh là là, mais cette épée dans le chest, quoi, sérieusement, quoi. C'est abusé. J'ai jamais vu ça, moi, perso. Hein. Chez moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Mmh. Bon bah, Yoshiki est contre Isaac, pendant que, évidemment, hein, Shigan est contre le Blue Baby, et ça se passe pas trop mal, parce que du coup, il arrive à mettre des pressions sur la gueule du Blue Baby, en restant collé à lui. Et des pressions, bah, ça fait mal, hein, c'est... Les rayons de lumière, ils font mal, hein. Eh bah, GG. Et ça gagne, hein. Oui, dépression, ça carry, sauf que quand tu mets des R, ça reset. Hein. Allez, je vais donc démute les deux joueurs. Allô, messieurs. Oui, allô. Ah, Shigan est mute de son côté. Oui. Ah, voilà. Eh bien, GG. Merci. GG. Les TP du scandale. Ah, la dépression, ça carie. Ouais. Eh, les TP du téléport, elles sont un peu scandaleuses aussi, hein. Oui. Parce que franchement, la TP du chest, elle est violente, hein. Ah, mais là, on était dégueu. Ouh. C'était pas top comme run, effectivement. On a vu que pour tuer Isaac, c'était long. Ouais, bon, la dépression, ça carry. Bah ouais, mais la dépression, tu pouvais pas trop l'utiliser sur Isaac, par exemple. Ouais, bah au moins... C'était un peu plus compliqué, parce que tu savais pas ce qui pouvait t'arriver derrière. Mmh. Belle utilisation de Pinking Shears. Oui, oui, bah. Oui, oui, je sais bien. Hein. Ouais, ça arrive. C'est dommage. Ça arrive. Ouais, c'est dommage, quoi, parce qu'effectivement, sur le Blue Baby, ça aurait été encore un gros bonus. Sinon, bah, pas mal de vie. Fallait se méfier de toute façon, avec le trinket, fallait vraiment se méfier à pas avoir trop peu de vie. Hein. Ah, tout à fait. Trinket du troll. Qu'a du bien vous écraser la gueule au moins une fois à tous les deux. Hein. Mmh, possible. Bah bon. Après. Ah, mais appuie sur les 6 boutons, tu vas voir, c'est génial. Ouais, bien sûr. Ah oui, ça va faire. Ah, les 6 boutons dans une petite salle dans le chest, c'est garanti. Hein. À d'autres. C'est garanti les embrouilles. Hein. Mais ouais, peut dire, ouais, Docteur Fœtus, pas forcément bah, utilisé. Le Devil Deal, ouais, comme dit. Pas forcément utilisé de façon optimale. Le Devil Deal, ouais. Pas du tout optimisé. Mais alors, pas du tout. Ouais, j'ai perdu un cœur, hein, c'est pas... Oui, d'accord, mais t'as surtout perdu du temps, parce qu'à chaque fois que t'as une race, tu perds du temps. Ouais, alors, c'était pas non plus une erreur monumentale qui m'a fait perdre une minute, hein. J'ai perdu 10 secondes, même pas. T'as perdu plus que ça. J'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Reroll, faudrait qu'on te voit sur une run, quand même. Ah, mais Reroll, il cause beaucoup. Mais tu l'ouvres beaucoup, je trouve. Ah, en plus, il stream, il joue à Isaac. Ouais, et puis surtout, il l'ouvre beaucoup. Oui, mais bah, Reroll, ouais, hein. Il a le même pseudo que toi, après tout. Hein. Quoi? C'est difficile à comprendre. Ah oui. Je m'y habitue pas, ce pseudo. Oh, c'est gratuit, c'est génial. Mais ouais, du coup, bah, ça va quand même. Hein, c'est trop tard. Trop tard. Je sais pas si finalement j'ai bien fait de prendre Docteur Fœtus. Enfin, j'ai pas eu plus de damage up que ça, donc le texte. Bah, justement, t'as pas eu trop de damage up, donc tu l'aurais pas pris. Ouais. Est-ce que tu te serais pas fait chier? Effectivement. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que des damage up, t'as que War of Babylon finalement. Hein. Oui. Et puis Propto à la fin, donc merde quoi. Ouais, fait un peu tard. Merci. C'est un poil tard.
Ah merde, faut pas que je reste immobile par dans contre, la dernière salle. La... Par contre, la... dommage de pas avoir pris la crampucède à la place de la jarre. Ouais, j'ai voulu reroll, mais c'est vrai que j'ai pensé après. T'aurais dû prendre la crampucède avant de reroll, c'est... ça c'est dommage. J'ai reroll en Sister Maggie, ouais. Ça valait. Ah, le reroll était nul quoi, mais ouais, t'aurais eu la crampucède, bah ta mom serait passée plus vite déjà, certainement. Rien que ça. Oui. Bah tous tes boss finalement. Pas. Ceci dit, je l'aurais pas gardé longtemps parce que derrière j'ai pris la bip satanique et vu mes cœurs, je l'aurais pris tout. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Mais bon. Bon, ouais, Shigan, 3 victoires de suite, finalement. Tu n'as pas été battu. Tout à fait. Tu n'as pas été battu, quel talent. Incroyable. Alors, c'était pas les runs les plus simples du monde, mais bon, ça passe. Ouais, les trois étaient bien pourris. Hein. Enfin, celle de vendredi, je m'en souviens plus trop. Le vendredi, je sais plus. Les deux d'aujourd'hui étaient bien pourris. Ouais, c'était pas terrible, ouais, on est d'accord. Oh. Mais bon.